pas! Lâche ma jambe! Me laisse pas! Me laisse pas! Lâche-moi! Lâche-moi! Me laisse pas! L'établissement est attaqué et a été mis en confinement. Je suis toujours à l'intérieur. Tous les autres sont morts. Si vous voulez Adam et toutes ses recherches, faites-moi sortir d'ici. Dans 24 heures, les portes se déverrouilleront et vous perdrez Adam pour toujours. Thank you.
Salut chérie, comment ça se passe? Pas très bien. Je crois que je vais pas m'en sortir seule. J'ai commencé à nettoyer la chambre du bébé et j'ai commencé à monter le berceau, mais j'ai l'impression qu'aucun des boulons ne sont adaptés au trou. Et je prie pour qu'on en attende qu'une. Attends. Pourquoi t'es encore dans cette tenue? T'étais censée rentrer à la maison aujourd'hui. Je sais, c'est une mission de dernière minute. Quoi? Non. Laisse-moi t'expliquer. Non. Cette mission va nous permettre de récolter assez pour acheter une maison à Kingston, d'accord? Et je parle d'un quartier plus agréable. L'école sera meilleure, tout sera meilleur, d'accord? Et tout ça n'a aucun sens si tu meurs là-bas et que tu reviens jamais. Bébé, je vais revenir, je te le promets. Combien c'est payé? Un paquet. Marshall a besoin de moi pour cette mission. Après, ce sera terminé. Je me fous de ce dont Marshall a besoin. J'imagine que tu lui as dit, n'est-ce pas? Non, je lui en ai pas encore parlé. Tu dois lui dire la vérité, James. J'ai besoin que tu me choisisses plutôt que lui. Oh, James! S'il te plaît, rentre à la maison pour que j'aie plus à tout faire. J'en peux plus t'attendre. Oh, moi! Si je peux te donner un conseil pour t'aider à choisir entre rester... Théo, rentrer, laisse tomber ce gars. Hé, hey, quand est-ce que tu vas lui avouer, hein? Tu sais que ce bébé est de moi. Va te faire voir, Junior. D'accord. Je dois te laisser. Ok. Appelle-moi quand t'as fini ta mission. Je t'appelle dès que j'en aurai terminé, d'accord? Je t'aime. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Quoi? Au téléphone, Jess, elle a dit, alors tu lui as dit? Qu'est-ce que t'as à me dire? T'inquiète pas, je sais déjà ce que tu vas me Vraiment, demander. Qu'est-ce que je vais te demander? Tu veux que je sois le parrain de ta fille? Ah bon? Finalement, elle est pas de toi alors? Ok, t'as été père pendant 2 secondes. Hé, hey, je suis juste surpris que tu me l'aies jamais encore demandé. Tu sais, avec toutes mes qualités et tout le reste. Tu réalises qu'un parrain doit être prêt à faire des sacrifices, voire à renoncer à sa propre vie. T'es prêt à mourir pour quelqu'un? Hé hey mec, je mourrais pour toi s'il le fallait. Junior, t'as une qualité qui te sauve. Tu es honnête. Ne la perds pas, c'est tout ce que tu as. Eh ben merde! Et moi qui pensais que la seule qualité qui me sauvait, c'est que je suis un dieu absolu aux pieux. Encore une fois, pourquoi tu mens? Pourquoi tu me dis pas ce que t'as à dire, mec? Ok les amoureux, la thérapie de couple est terminée. En route. Ok. Ça fait rien, oublie ça, d'accord? On y va. Tu sais, si jamais c'est pas trop galère, j'essaierai au moins de te sauver. Une seule qualité. Junior. Junior. Hé, hey, on va faire un récap de la mission, tu viens? Qu'est-ce que ça va m'apprendre de plus? À part qu'on doit sauver une jolie scientifique, que cette jolie scientifique va tomber amoureuse de moi, qu'on va partager de bons moments, qu'on va s'éclater, qu'elle va quitter son boulot pour être la mère de mes enfants. T'as oublié la mini-armée qui envahit l'établissement. Ouais, la milice en colère qui essaye d'entrer par la porte d'entrée mais qui arrive pas parce que c'est un abri nucléaire. L'ultime peine à jouir, quoi. C'est simple. On va entrer par l'arrière, se faufiler par la porte de secours. Hein? Personne saura qu'on est là, jusqu'au boum. Feu d'artifice orgasmique. Marshall, tu réalises que tout ne tourne pas autour du sexe, hein? Au contraire, tout est lié au sexe, Rachel. Sauf le sexe, qui est lié seulement à tout le reste. Écoutez, il y a 8 heures, notre commanditaire, l'Institut Samyaza, a reçu un appel de détresse de l'un de leurs complexes en Bosnie. Le complexe est un laboratoire de biorecherche à la pointe du progrès pour décoder le génome humain. Une milice hostile a tenté de prendre d'assaut le complexe, ce qui a fait de nombreuses victimes civiles. Le complexe est actuellement verrouillé, et les troupes ennemies à l'extérieur tentent de s'introduire. Ils ont des effectifs, des ressources et une grosse artillerie. Si elles repèrent notre emplacement, l'artillerie pourrait nous achever avant même qu'on ait commencé. Ils ont des hommes qui fouillent la forêt pour trouver un autre moyen d'entrer. Il est donc important d'être constamment en alerte. L'appel provenait de la dernière scientifique survivante. La mission consiste à entrer dans l'établissement, secourir la scientifique, récupérer les recherches et sortir sans être repéré. Actuellement, on a une équipe sur le terrain et ils ont trouvé 2 tunnels de secours. Je vais rejoindre l'équipe Alpha et entrer dans l'établissement pour localiser la scientifique. Vous deux, vous rejoindrez l'équipe Bravo, composée de Moïse et Preacher pour nous couvrir. La mission est simple. Entrer dans l'enceinte sans alerter la milice ennemie et sortir par le tunnel de secours. Dans 24 heures, un hélicoptère arrivera sur la zone d'atterrissage pour l'extraction. Si vous n'êtes pas là quand il atterrit, vous devrez vous débrouiller seul.
Tu sais, je dis juste que... si on nous proposait une mission, et que mon ex était l'employeur, je te ferais part de cette information vitale avant qu'on signe le contrat. Pour ta gouverne, je t'avais prévenu. Quoi? Quand ça? Quand je t'ai présenté la mission et que j'ai dit « Hey, voici Rachel, on se connaît très bien ». Quoi? Non, je croyais que vous aviez été dans la même équipe, que vous aviez été affecté quelque part ensemble. Écoute, mec, relax. Rachel s'en fout, ok? On a mis fin à notre relation d'un commun accord. Oh, tant mieux alors. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est pas bon, ça. Pas de panique. On va pas te tirer dessus. C'était pas dans le plan. T'en fais pas. C'est évident qu'il va s'enfuir. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ici, bravo! Il manquait un plus que ça, un homme en fuite. Je allez, répète, allez. Homme en fuite, il se dirige vers le sud-ouest. Bougez pour l'intercepter, vite, avant qu'il alerte la milice ennemie. Ah, ça commence bien. Fais chier, fais chier. C'est pas vrai. Bravo, les gars, on vous aide. Tu le vois? Tu le vois? Tais-toi! Ferme-la ou on te tue! Voyez-vous ça? Beckett et Marshall, on est ici depuis moins de 5 minutes et l'ennemi connaît déjà notre position. Félicitations, vous venez de signer notre arrêt de mort. Vous parlez français? Très bien. Qui veut le tuer? Qu'est-ce que tu fais ici, petit? On n'a pas le temps pour ça. Il avait un détecteur de métaux. Tu crois qu'il cherche quoi? Des capsules de bière? Il cherche la trappe. On va le ligoter. Écoute, petit. Je veux pas te tuer. Mais je peux pas te laisser dire à tes amis où on est. Est-ce que tu comprends? Bien. Alors donne-moi tes mains. Ils arrivent. Le Néphilim arrive. Ah ouais? Eh ben, on l'aura aussi. Ici Alpha. On est entré dans le complexe. On commence à chercher la scientifique. On passe en silence radio. On se voit de l'autre côté. Ok, les mecs. À vous de jouer. Gardez les yeux ouverts. On ne sait pas dans quoi on met les pieds. Gardez les mains en l'air et tournez-vous. C'est quoi ce bordel? Mettez-vous à couvert! Les gars, bougez! Ah! En avant! Allez, les gars, allez! En avant, allez! En avant, tout le monde, maintenant! On se fait encercler!
plaît! Mec! Tire de suppression! Tire de suppression! Bordel, c'est exactement ce qu'on n'était pas censé faire. Est-ce que Moïse va bien? Il est mort. Beck, faut qu'on parte d'ici. La milice va débarquer. Je suis là, Pritcha. Je suis avec toi. Comment il va? Elle est passée à travers. J'ai besoin de quelques minutes, mais je peux le soigner. On n'a pas une minute, Beck. On bouge. Monte la garde, d'accord? Moïse est mort et il reste ici lui aussi. Allons-y. Tiens-moi ça, Pritch. Ça va faire mal. Je vois du mouvement. Tu vas t'en sortir. Il va pas s'en sortir. Aucun de nous va s'en sortir. On est vulnérables ici, au milieu des bois. On doit... Je partirai pas, ok? Si tu veux partir, vas-y, mais je vais pas l'abandonner. Ouais, je te vois. Allez, viens par là, enfoiré. Beck, on n'a plus le temps. Il y a un assez gros trou juste là. Pritch, on va te mettre dedans. Et on reviendra te chercher. Allez. Ok. Tu peux te cacher ici. Tu seras en sécurité. Ils te verront pas. Je vais pas te laisser ici. Allez bien loin. Dispersez-vous. Trouvez-les. Où vous vous cachez? Qu'est-ce que tu vois? Montrez-vous! Je crois qu'on a tué un de ses proches. J'en ai un ici. C'est pas vrai. Bouge pas. T'avais dit qu'il était mort. Ouais, je pensais qu'il était mort. Rendez-vous, et on vous tuera rapidement. Dispersez-vous, trouvez-les. Ils ont un chien. Vas-y, tire. T'es sûr que tu veux lancer les hostilités? Si tu tires pas, il est mort. Il est déjà mort, Beckett. Je te dis de tirer, putain! Comme tu veux. Couvre mes arrières. C'est parti.
vers la gauche. Grenade! Ils sont là! À couvert! Marshall. Allez, allez! Il faut qu'on aille sur les hauteurs! Dernier chargeur! J'ai plus que mon flingue! Il y a un ravin devant, il faut qu'on saute! Quoi? Il y a une falaise! Il y a de l'eau au pied de la falaise! Il faut qu'on saute! Tu veux que je saute d'une falaise? C'est ta meilleure idée? Oui! Oui, c'est ma meilleure idée. T'as mieux ? Non, non, ça va super, mec. Oh, c'est pas vrai. À couvert ! Tu les as trouvés ? Non. En suivant le courant, ce sera pas long. Garde tes distances. Laisse-les nous conduire à l'entrée. On s'occupera d'eux à ce moment-là. Junior, t'es où ? Hé, Beck. Par ici. C'était quelque chose. Alors, mon petit Beckett. C'est quoi le plan maintenant ? Beck ? Quoi ? Je réfléchis. Tu dis peut-être que t'aurais dû tuer ce gosse ? Pop, hop, on rentre, on sort. Oh, je suis désolé. Je savais pas qu'on était venu ici pour tuer des gosses. C'est ta façon de faire ? C'est comme ça que Marshall fonctionne ? Il tue des gosses et laisse son équipe derrière lui ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? De quoi tu crois que je parle ? T'as laissé Moïse pour mort et j'ai dû abandonner Preacher. Ouais, je croyais que Moïse était mort. Et quant à Preacher, on a fait plus pour lui qu'il aurait jamais fait pour nous. Tu t'énerveras quand on sera rentré. Ouais, si on rentre un jour. On est à quelle distance d'Alpha ? Cette rivière nous a fait gagner du temps. On doit plus être très loin maintenant. Donc on n'a qu'à suivre la crête. Si on est en dessous d'eux, on continue en espérant qu'Alpha aura eu plus de chance.
C'est par là qu'on rentre. Non, non, c'est ici qu'on les retrouve. Devraient déjà être arrivés. Ils sont probablement déjà repartis. On peut pas attendre ici. Si ces chiens nous attrapent, on est fini. Qu'est-ce que tu suggères ? Je propose qu'on entre dans le complexe, qu'on retrouve Alpha, on sort là où ils sont entrés et on se tire par là-bas. Non, 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 non. On va vers la zone d'extraction. Écoute, écoute. On peut plus attendre ici. Tôt ou tard, ces chiens vont nous trouver. Et là, crois-moi, on sera fini. Écoute, avec un peu de Marshall, chance... Marshall, on peut pas les distancer éternellement, d'accord ? Il faut aller là où ils peuvent pas aller. Crois-moi, c'est notre meilleure option. D'accord ? Tu passes devant, James. D'accord. T'es sûr que c'est le bon chemin ? Honnêtement, je suis sûr de rien en ce moment. Ces chiens se rapprochent beaucoup. On est un peu piégés ici. Ouais, espérons cacher les Rimka correctement. Je sais même pas si tu sais lire un livre. C'est pas vrai. Quoi ? Bordel, ça n'a... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça n'a aucun sens. Je suis sûr qu'elle devrait être par là. Ou peut-être que la carte est à l'envers ? Non, la carte est pas à l'envers. Elle est forcément... Hé, Junior. Quoi ? Je pense que je l'ai trouvé. Hein ? Viens par là, donne-moi un coup de main. Je crois qu'elle est sous les cailloux. Ok. J'ai cru comprendre que tu voulais pas parler. C'est pas grave. J'ai pas besoin que tu parles. J'ai besoin que tu m'écoutes. Tu vois cet homme là-bas ? Il t'aime pas. T'as tué son frère et c'est... C'est pas bon. Il veut te tuer très lentement. Si tu m'aides, peut-être que je vais pouvoir le convaincre de te tuer. Pas si lentement que ça, d'accord ? Ce cri dans ce sac... Il parle. Il s'appelait Vitae. Tu le connaissais ? Pas beaucoup. Une fois que l'infection a commencé, elle peut seulement être arrêtée par le feu. On a scellé les portes principales et enfermé tout le monde à l'intérieur. Mais il y a d'autres moyens d'entrer et sortir. Tu veux que je te montre où les autres sont entrés ? Ouais. On les cherchait quand vous êtes arrivés et que vous avez tué nos hommes. On n'a pas tiré en premier. Je m'en fous de qui a commencé. Jonah, tu trouves ça important ? Ouais, Jonah s'en fout aussi. On doit travailler ensemble. Ouvre le sac tout de suite. Maintenant, tu vois pourquoi toute personne qui essaye d'entrer dans le complexe est dangereuse. Si ça sort de là, ça tuera tout le monde. Ah.
Comment je peux être sûr que c'est vrai? Tu peux pas. Mais la vérité est juste devant toi. Hé! Hey. Tu sais le truc que je devais te dire tout à l'heure? Ouais? C'est ma dernière mission. Tu sais quoi, si on sort d'ici, ce sera aussi ma dernière. D'accord. Super ça. Ouais. Mais où est le corps? Espérons que ces armes ne seront plus utiles qu'à l'autre gars. Ouais. Alors, toi et Rachel, pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés? Tu veux parler de ça maintenant? Ouais, ça me fera une distraction. Elle m'a mise à nu et pas colis. Tu veux parler de ton immaturité émotionnelle? En effet. Hein? Ça, et elle a dit aussi que j'étais un super coup. Ouais, c'est toujours un motif de rupture. On devrait y aller. Ils vont pas tarder à nous pister jusqu'ici. C'est ce qui est à l'intérieur qui m'inquiète le plus. La voilà. C'est quoi ce bordel? On dirait qu'ils ont trouvé quelque chose dans la glace. Tant pis pour le fric, on se tire d'ici. T'as fini de jouer les détectives? Parce que tu tapes juste des mots de passe au hasard. Non, arrête de toucher à tout! L'expédition pour récupérer le corps du sujet N sur le glacier a été un succès. Mais les essais sur les humains se sont avérés catastrophiques. Le sang étranger agit comme un parasite et attaque l'ADN humain. Une théorie est née parmi certains scientifiques selon laquelle ce spécimen est l'espèce biblique du livre d'Enoch. Et si c'est le cas, on aurait peut-être dû le laisser dans la glace. Peut-être que... Je te résume la situation. L'homme se prend pour Dieu et finit par créer le foutu diable. Tu te souviens au catéchisme quand il nous parlait des anges déchus et de l'arche de Noé? Je crois que j'étais pas là ce jour-là. Les anges déchus ont violé les filles des hommes et ont créé une espèce de monstre, les Néphilim, qui allait faire la guerre à l'humanité. L'humanité avait perdu la bataille et était au bord de l'extinction quand Noé a fabriqué l'arche. Dieu a envoyé un déluge et il a nettoyé le monde de l'abomination. Ouais. J'ai pas le même souvenir du caté. C'est juste censé être une histoire, mais... Alors quoi, ces gars ont trouvé un extraterrestre dans la glace? Et ils essayent d'en faire un croisement avec l'homme? Tu prends les clés USB? Ouais.
Docteur Chloé? Docteur Chloé? Docteur Chloé? Salut, Marshall. C'est toi, depuis le passé. T'es dans un bunker avec des scientifiques morts et peut-être une sorte d'espèce biblique, alors attention à tes choix de vie. Lâchez cette hache. Docteur Chloé? Tout va bien. Junior, je l'ai trouvé. Tout va bien. Je vais vous faire sortir d'ici. Il faut que vous restiez silencieux. Ils sont attirés par le son. C'est quoi le problème? Ils ont trouvé. Qui a trouvé quoi? Vous voyez les sales types à l'extérieur? Eh bien maintenant, ils sont à l'intérieur. On dirait qu'ils essaient de nous enfermer. Quelqu'un veut se rendre? Se rendre? Ils vont vous tuer! Ils ont tué tout le monde! Ouais, on les a déjà croisés en arrivant. Bordel! Quoi? Il est juste là. On peut pas aller par là. J'ai plus beaucoup de munitions. Ouais. Il m'en reste que deux. Hey, j'ai une idée. Pourquoi on ferait pas les humains contre les non-humains? Oubliez ça. Je vais mourir. On va tous mourir. Ouais, on va tous mourir. Allons-y, allez. Connard.
Quelqu'un d'autre trouve ça bizarre, hein, qu'on entre dans un conduit d'aération alors qu'on vient d'en voir un entrer dans un conduit d'aération? Non? Je parle tout seul? Faut continuer à avancer. Il est juste en dessous de nous. Il faut qu'on bouge. Doc, il faut continuer à avancer. C'est toi, depuis le passé. T'es dans un bunker avec des scientifiques morts et... éteignez ce truc. Des créatures bibliques, alors attention à tes choix de vie. Et vérifie que tout va bien chez les bébés. Tu vas voir. Allez, viens, enfoiré. Montre-toi. Tu vas bien? Merde! Mais... qu'est-ce qu'on fait ici, bordel? Bon sang, c'est un vrai festival de monstres ici. Vous allez bien? Vous allez bien, docteur Chloé? Parce qu'il va nous falloir des réponses! Oh, c'est pas vrai. J'ai déjà vu ça. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait ici, mec? Faites-moi juste sortir d'ici. Pitié! On ne quittera pas cette pièce avant que vous nous expliquiez ce qui se passe. Ce sont des hybrides génétiques. Des hybrides? Des hybrides de quoi? Moitié humain. Moitié... autre chose. C'est quoi l'autre chose? On l'a appelé Sujet N. On a extrait son sang et créé Adam avec. On peut y aller maintenant? C'est ce Néphilim dont tu me parlais tout à l'heure. Oh, mon sang. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Quand on trouve un truc dans la glace, on le laisse dans la glace. Voilà ce qu'on doit faire. On doit trouver l'autre entrée de service. On entre par la voie médicale dans le local technique, en espérant trouver Alpha en cours de route. Non. Non, non, non. Quoi encore? Hors de question que j'y descende. On va voir si vous allez pas y descendre. Pourquoi vous voulez pas y aller? C'est là qu'Adam a tout commencé. Et je viens de passer les 20 dernières heures à m'en éloigner le plus possible. Il y en a combien de ces trucs? Ce complexe compte 22 employés. Et vous pensez que combien sont affectés? Ils le sont tous. À part un. C'est vous, n'est-ce pas? C'est vous qui n'êtes pas infectés. Attendez. Alors ces trucs sont des personnes? Oui. C'est vos collègues? Peut-être qu'ils s'entretuent. Il y en a peut-être moins maintenant. Ils n'attaquent pas les leurs. Ça change rien. Il faut quand même qu'on redescende par là. Le complexe est en confinement. Vous pourriez pas y aller même si vous le vouliez. Ce qu'il faut, c'est qu'on monte. Mais qu'est-ce qui va pas chez vous, hein? On peut pas remonter. La milice est là-haut, ils nous ont suivis. Pourquoi vous les avez conduits à l'entrée, alors? Vous êtes qui? Oh, c'est super. Merci. Heureux de vous rencontrer aussi, ok? Votre cavalerie à qui vous avez envoyé un petit message, votre équipe d'opération spéciale, ils sont morts et pas nous, et vous êtes dans la merde. Donc on va y aller, avec ou sans vous. Nos infos disent qu'il y a un autre tunnel qui mène dehors. On le trouve, on trouve Alpha, et on sort d'ici. Mais...
Est-ce que vous allez bien? Je vais bien. On dirait qu'ils l'ont tué. Peut-être que ça les a tués. Je pense qu'on y est. Alors, qui est cet Adam, hein? Pourquoi est-il si important? Adam a été le premier hybride viable créé il y a 30 ans. Il a été déplacé ici pour être confiné lorsqu'il est devenu instable. Vous l'avez mis en confinement? Alors, Beck, tu t'en sors? Je suis sur le coup. L'ADN du sujet N a eu des effets néfastes sur l'ADN des adultes. La seule façon de fusionner les deux souches génétiques est un embryon. Ah, super! C'est un bébé éprouvette. Bravo! Et qu'est-ce qui lui est arrivé? T'as pas entendu? Il a pas été assez allaité. Personne ne lui a demandé s'il était d'accord pour être une expérience scientifique et il a perdu la raison. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. Morale de l'histoire, il faut avoir le consentement. Compris. Ne bougez plus! Lâchez vos armes et mettez les mains en l'air! Faites-le et faites-le maintenant! Maintenant, tournez-vous! Plus vite! Allez, plus vite, on y va! On n'est pas seul ici. Sans blague, on n'est pas seul ici. Il y a quelque chose de vivant ici et c'est pas humain, d'accord? On peut faire équipe. Arrêtez de parler! Parlez moins fort! Le prochain d'entre vous qui parle reçoit une balle entre les deux yeux. J'ai seulement besoin de la fille. Vous deux, je pourrais vous tuer maintenant. Je vais vous le dire franchement. La prochaine fois que vous envoyez un appel de détresse, pensez à prévenir qu'il y a un monstre enfermé avec vous. Si j'avais su, je me serais préparé différemment. Si vous l'aviez su, vous ne seriez jamais venu. Oui, vous avez pas tort. Adam ? Hé ! C'était Adam ? Non, Adam est mort. Olek l'a tué. Olek ? Et c'est qui, c'est Olek ? Il était chargé de garder Adam sous contrôle. Oh wow ! Retournement de situation, c'est le soignant qui tue le patient. Alors pourquoi il est toujours là ? Il veut utiliser les recherches d'Adam pour faire une arme, c'est moi qui les ai. Oh, elle a les recherches. C'est une petite information qu'il serait bon de connaître à l'avance, docteur. C'est quoi le plan si on sort d'ici? L'hélicoptère nous récupère et on quitte cet endroit qui sera qu'un mauvais souvenir. Ok, on doit suivre la conduite d'eau jusqu'à la trappe. Où t'as trouvé cette carte? Allons-y. Faut trouver les extincteurs. Hé, hey, j'en ai trouvé d'autres. C'est quel tuyau rouge? Il y a que ça dans cette pièce. Je pense que c'est celui-là. Ouais. Pourquoi ils font de si petites portes?
après? La prochaine trappe est au bout de ce niveau. Ok. C'est assez simple, non? Allons-y. Non, d'un chien. On a un problème. Ouais, il fait 2 mètres et tue pour le plaisir. Il parle pas beaucoup, mais il a un faible pour toi, à moins que tu parles de la rousse. Je suis plus intéressé. On va sortir du mauvais versant de la montagne. On n'arrivera pas à l'hélico à temps. Ok. On va trouver Alpha, ils ont un téléphone satellite. Et on demande un autre point d'extraction. Qu'est-ce qui se passe si on trouve pas vos amis ? Je pense que je devrais ouvrir la voie. Ouais, mais c'est moi qui ai la carte. Je devrais rester devant. Ok. En plus, c'est toi qui as l'arme. Rachel, ça va? Aide-moi à enlever son gilet. Doucement. Hey, ça va aller. Tu vas t'en sortir. Hey, tu vas t'en sortir, hein? Ouais, on l'a trouvé. On a trouvé la scientifique. On rentre, tout va bien se passer. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a une entaille dans le bas de l'abdomen. Les gars. Oh, c'est pas vrai. Ok. Ok, faut qu'on bouge. Faut la bouger. Rachel, elle on peut va te. Pas. Elle peut pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok. Ok. Ça va aller. Hein? On va te ramener. Vous pouvez nous aider? C'est trop tard. Une fois infectée, on peut plus rien faire. Arrêtez ça! Aidez-la tout de suite! Elle se transforme. Hé, hey, vous pouvez vous réveiller et l'aider? Il y a un service médical au bout du couloir. Trouvez une civière pour la transporter. Ok, ok, je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. On n'a pas le temps pour ça. Je vais faire vite. Tout va bien se passer. Hé, je m'en occupe. Allez trouver la sortie. Ok, faites pression sur la plaie. Je vais chercher la trappe. Tu vas t'en sortir. Tout va bien se passer. Ça va aller. Ça va aller. Ouais. Ça va aller. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai aidé votre ami. Rachel, c'est pas vrai. Vous lui avez mis une balle dans la tête. Une fois que le sang est entré, on peut pas l'arrêter. Votre ami se transformait, elle souffrait. Vous l'avez tué, bordel. J'ai mis fin à sa souffrance. Reste tranquille.
Dites-moi, pourquoi je devrais pas vous tuer sur le champ, hein ? Reste calme. Je savais ce qui lui arriverait, parce que j'ai vu la même chose arriver à tous mes amis. C'est pas le moment, d'accord ? On pourra voir ça plus tard, mais pour l'instant, il faut qu'on y aille. Ouais, on a qu'à lui mettre une balle dans sa tête de scientifique et se casser ! Personne d'autre n'a besoin de mourir. Écoutez... Vous vous la fermez ! La personne à qui vous teniez est morte. Plus on reste ici, plus c'est dangereux pour vous. T'entends ça ? Ils vont passer cette porte d'un moment à l'autre. On doit partir d'ici. Bouge. Non, je bougerai pas. Tu penses... Bouge-toi de mon chemin. Non, attends une seconde et réfléchis. Bouge ! C'est quoi ton problème ? C'est quoi mon problème, hein ? C'est quoi ton problème ? J'essaie de sauver nos vies. Sauver nos vies, mec ? On serait pas dans ce merdier sans toi ! Quoi, alors c'est ma faute ? Oui, tout ça, c'est ta faute ! Si tu avais laissé Moïse tuer ce gamin dans les bois, on serait déjà rentrés. Mais non ! T'as pas eu le cran d'appuyer sur la gâchette ! Il est ici. Comment, hein ? Comment il fait pour nous suivre ? Comment tu fais ça, hein ? C'est bon ! Je suis juste là ! Qu'on en finisse ! Allez, viens, montre-toi ! De me recevoir, mec. Il y a quelque chose dehors. Junior. Junior, tu m'entends ? Beck. Merde. Beck, je suis à la morgue. Beck, je suis à la morgue. Vous êtes où ? Qu'on bloque la porte ! Junior, on a besoin d'aide. Junior. Merci, mec. Je dois y aller. Mec. Mec, je suis coincé à la morgue. Allez. Hors de question que je meure ici. Allez. Junior. Il nous faudrait une diversion. Non ! Junior ! Allez ! Ah 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 ! Ah
espèce d'enfoiré. Pourquoi il est parti? Aucune idée. On se dépêche! Ne pars pas être loin! Oh, non! Bien finir par nous trouver. Oh, génial. Donc on a un couteau et un magnétophone. Oh. Quelle merde. Vérifie que tout va bien chez les Beckett, parce que vu son histoire de caté, ils sont peut-être dans une secte. Et pour finir, sois gentil avec Beckett. Il attend un enfant, et t'es heureux pour lui. Alors, le prends pas personnellement. Et quant à toi... Où allez-vous? Il est à moi. A été corrompu, hein? Bien. C'est la justice. T'as tué mon frère. Prépare-toi à mourir, c'est ça? La réplique? Princesse Braille? Vous avez perdu ça. Merci. Vous savez vous en servir? Je vais me débrouiller. Allons faire frire ces enfoirés. Attendez un peu. Quoi? Vous devez me faire sortir d'ici. Ouais, après avoir récupéré Marshall. Non. Si Oleg s'empare de cette découverte, il en fera une arme. Et si ça arrive... On est tous morts. Où est Adam? C'est qui, Adam? Tu sais pas? Ça se propage vite, hein? Tu peux le sentir. Ça transforme ton corps. Ça apporte aussi la vérité. Qu'est-ce que tu veux? Voir ton âme disparaître. Qu'est-ce que tu racontes? C'est très douloureux, hein? D'abord, ça brûle. Ton sang va bouillir, c'est comme si c'était du feu. Puis tu verras des choses, des souvenirs qui ne sont pas les tiens. Tu vas mourir et revenir. Renaître en tant que Néphilim. Je sais pas ce que tu prends, mec, mais j'aimerais bien en goûter un peu. Donne-moi juste un peu, donne un papa, mets-en juste... Ah. T'es un petit rigolo, hein? Je te promets, je te le promets. Ça durera pas. Mais si tu me dis où se trouve Adam... Je mettrai fin à ta souffrance. Je te l'ai déjà dit, j'en sais rien. J'ai besoin d'aide ici! Quand il reviendra... Elle... Je sais. On s'occupera d'elle. Et maintenant, tu sais que la vérité t'a libéré. Alors, s'il te plaît... Alors, c'est la chambre d'Adam. Thank you.
trouver Alpha. Oh, je crois que je vais vomir. Junior, tu m'entends? Tu sembles être un homme faible. Je vais t'épargner ce qui se passe ensuite. Junior! Rien ne passe à travers ce béton. Il doit avoir un téléphone satellite. Il fonctionne encore. Très bien. Vous allez suivre ce tunnel jusqu'en haut. Vous venez pas? Quand vous arrivez à l'extérieur, appuyez sur ce bouton. Ils viendront vous chercher. Merci. Racontez-moi encore l'histoire d'Adam. Quoi? Pourquoi on n'a pas le temps? Oh, je pense qu'on a le temps. Racontez-moi donc l'histoire d'Adam. Celle où il est retenu ici toute sa vie et où il tue ses ravisseurs pour pouvoir s'échapper. Racontez-moi encore cette histoire. Mais de quoi vous parlez? Ma femme est enceinte de 12 semaines! Elle arrête pas de vomir depuis le début. Je pensais que vous étiez juste malade. Ou peut-être que c'était tout ce sang, ou cette créature qui vous poursuit. Mais ensuite je vois ça! Pourquoi Adam aurait un berceau dans sa chambre? Vous me faites peur. Vous en êtes à combien de semaines? Vous me faites peur. Ne mentez pas! Ne mentez pas, bordel! Oh, oh la vache! Ça va? Vous en êtes à combien de semaines? À peu près pareil que votre femme. Vous vous moquez de nous. Depuis le début. Vous avez une idée du nombre de gens qui sont morts pour vous sauver? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à ma place? Avec seulement des photos du monde réel et une fausse promesse qu'un jour vous seriez libérés! J'allais pas laisser mon fils être élevé dans ce complexe. Alors vous les avez tués? Pas tous, non. Et l'appel de détresse? Mon fric? C'est juste la carotte au bout d'un bâton pour qu'on vienne vous sauver. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas dit la vérité dès le début? Vous savez, je veux croire que vous êtes quelqu'un de bien. Mais vous avez menti. Pourquoi? Ah, je suis désolée. Laissez-moi réessayer. Salut, je m'appelle Chloé. J'ai été fabriquée dans un labo. Je suis enfermée ici depuis 30 ans et j'ai tué mes ravisseurs. Vous pouvez me sauver, s'il vous plaît. C'est ce que vous vouliez? D'après mon expérience, les gens vous aident pas s'ils ont rien à y gagner. Donc, je suppose que la vraie question est... Vous allez me laisser partir? Je comprends vos actes. Je ferai tout pour sauver mon enfant. Mais c'est pour ça que je peux pas vous laisser partir. J'ai une fille maintenant. Et votre sang... C'est trop dangereux. Allez! Vous êtes une bonne personne, Beckett. Je suis désolée qu'on en soit arrivé là.
Je vais pas vous tuer. Mais vous quitterez pas cette pièce. Marshall avait raison. Vous avez pas ce qu'il faut. Parfois, pour battre le monstre, il faut devenir le monstre. Saleté, ou ta copine en prend une. Bougez encore et je vous éclate la cervelle. Ça me fait mal de te le dire, mec, mais je crois qu'elle nous a menti. Merci pour l'info. Si vous me tuez, il vous mettra en pièces. Déjà mort. Oleg, s'il te plaît, non. J'ai jamais voulu te faire de mal. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi.
Tu allais changer le monde. Maintenant, ce que tu as fait ne peut être défait. Je vais changer le monde. Mais je vais le faire à ma façon. De me laisser partir. Je vais donner à votre fille le même cadeau que celui qui m'a été donné. Elle portera la semence de mon fils. Elle est morte ? Ouais. Ouais, elle est morte. Comment on va raconter ce qui s'est passé ici ? Eh bah, on dira que c'était ton idée de venir.
Hé, est-ce que je peux être le parrain de ta fille maintenant? Quoi? T'as dit que je devais être prêt à faire des sacrifices, pas vrai? Je crois que je viens de sauver le monde entier. C'est suffisant? Ouais. Ouais, c'est largement suffisant. Alors, tu vas te lever? Ou je dois te traîner jusqu'en haut de cette échelle? Tu sais quoi? Par devant. Je vais juste me reposer ici un peu plus longtemps. Allez, viens, on y va. J'irai nulle part, Beck. Je suis infecté, mec. C'est pour ça qu'on va aller chercher de l'aide. De l'aide? On va pas en trouver. Y a pas de remède. Je refuse de croire ça. Je vais pas te laisser ici, alors allons-y. D'accord, l'hélicoptère est là. Il faut qu'on y aille. Alors donne-moi ta main, et on va te faire monter cette échelle. Il l'avait enfermé dans cet endroit pour une raison. Y a pas de remède. T'en sais rien. Je sais que tu veux me sauver, mec. Mais nouvelle mission. Rentre chez toi. James.